Yo les clipmakers, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas faire pour filmer d'une manière où on a l'impression qu'il y a du monde quand t'as personne, par exemple en ton âge, que t'as que quelques personnes. Comment tu vas filmer d'une certaine manière qu'on a l'impression qu'il y a du monde, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler un petit peu de comment tu vas faire, par exemple, quand tu as des petits moyens, donc quand tu vas faire un tournage où il n'y a pas grand monde, où l'artiste, par exemple, il va appeler donc des figurants ou autres, ou même si c'est toi qui les ramène. En gros, avec le monde que tu vas avoir sur place, tu vas voir que tu peux filmer d'une certaine manière où tu vas pouvoir utiliser des personnes. Donc par exemple, imaginons, des fois tu vas faire un clip où il va manquer de figurants, et donc tu vas avoir une personne que tu connais ou autre, qui va pouvoir faire juste un petit peu le figurant. Donc tu vas voir que tu peux combler un petit peu avec ce que tu as et tu peux filmer d'une certaine manière pour faire en sorte que tu vas avoir du monde sur ton tournage alors qu'en fait il n'y aura pas grand monde. Des fois tu peux avoir un tournage où tu peux avoir 3 ou 4 personnes et la façon ou comment tu vas filmer, tu as l'impression qu'il y a du monde. Par exemple, moi ça m'est arrivé dans des tournages où tu vas avoir une simulation où ça va faire un petit peu un clip voilà, en mode soirée avec du monde. Mais en fait, moi, je vais filmer d'une certaine manière et en vrai, on va croire qu'il y a pas mal de gens alors qu'en fait, on est 5, 6 ou 7, pas plus. Et donc, dans les plans, quand tu vas voir le clip, on aura l'impression qu'on est peut-être 20 ou 30. Alors en fait, ce qui se passe, et ça va être vraiment d'une manière technique, et donc on va revenir au fait de filmer, par exemple, au viseur, puisque au viseur, tu vas être vraiment donc, dans ton plan, donc tu vas vraiment voir tous les détails. Cette façon-là de filmer va être beaucoup, par exemple, sur des focales un petit peu plus serrées, puisque sur des focales larges, forcément, même si tu filmes de près, tu vas voir tout ce qui se passe autour. Puisque quand tu filmes en focale large, donc moi par exemple là, je suis en train d'être filmé avec le 10 mm. Donc le 10 mm, ça va être vraiment très large. Et donc ça va être compliqué en fait de pouvoir cacher un petit peu ce qui se passe autour avec un 10 mm. Donc il faudra forcément une focale à partir de 50 mm ou même un peu plus, donc peut-être 70 mm ou autre. Mais avec un 50 mm, ça va bien fonctionner. Donc moi en général, quand je fais ce genre de plan là où il n'y a pas trop de personnes, je me mets directement à 50 mm. Quand j'ai envie de faire un plan par rapport à ce qu'on a, donc tu verras que quand tu vas commencer à faire pas mal de clips pour ceux qui en font déjà, souvent tu vas t'adapter avec ce que tu as. Donc par exemple, tu vas avoir des artistes qui vont appeler certaines personnes figurant ou autre. Si par exemple, il y a un délire avec un petit scénario, enfin des petites idées, ou bien même un clip peut-être un petit peu plus freestyle où c'est une soirée avec quelques personnes, tu vas voir que ce qui se passe, c'est qu'en général, des fois les artistes, ils vont te dire qu'ils ramènent plusieurs personnes, mais en fait, en vérité, quand tu te retrouves sur le tournage, tu te retrouves avec 5 ou 6 personnes, ou 4 personnes, il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment toujours s'adapter par rapport à ça. Souvent, j'ai vu des clippers, par exemple, où dès qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, ils sont un petit peu perdus, ils ne savent pas comment faire. Et en fait, le but, c'est vraiment de s'adapter avec ce que tu as. Et tu vas voir que là, vraiment la façon ou comment tu vas filmer, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir, bah voilà, agrandir les pièces déjà pour commencer par rapport à où t'es. Et ensuite, la façon de filmer va faire en sorte que tu auras l'impression qu'il y ait pas mal de gens. Donc vraiment, moi, je te conseille de filmer au 50 mm et donc au viseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es à 50 mm au viseur, tu vois vraiment tout ce qui se passe. Et en gros, tu vas pouvoir filmer peut-être une épaule de quelqu'un, donc avec le 50 mm, et une personne devant, une personne derrière. C'est-à-dire que par exemple, si tu vas avoir 3 personnes dans ton plan, si tu filmes une personne de dos et 2 personnes de face avec un 50 mm, bah déjà, ça fait, tu as l'impression qu'il y a pas mal de gens et en fait, ça fait un groupe de personnes. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si tu filmes plusieurs personnes comme ça à chaque fois en 50 mm, si par exemple, tu vas avoir une personne, donc comme je te disais, de dos, que tu la filmes à 50 mm avec 3 personnes devant, donc ça fait que 4 personnes s'il n'y a que ça, et que tu filmes que des plans tout le temps comme ça et que dans ton montage, tu mets que des plans comme ça, tu as toujours l'impression qu'il y a vraiment pas mal de gens. Donc ça va se jouer vraiment au niveau de ta prise de vue, donc en 50 mm et donc au viseur pour bien voir. Et ensuite, dans ton montage, mais encore une fois, si tu as mal fait ton tournage de cette manière-là, ça va être compliqué de pouvoir faire en sorte que dans ton montage, il y ait du monde. Tu vas avoir des clips où vraiment, il n'y a pas grand-chose. Les gens, des fois, ils n'ont vraiment rien par rapport au budget. Donc, s'il y a un budget qui est très bas, si tu as l'habitude de faire des budgets bas, eh ben, tu vas voir qu'avec rien, tu pourras faire des choses. Donc ça, ce n'est pas ce qui va poser un problème selon moi. Il y en a qui vont être trop en détail et trop à cheval sur ces choses-là. Mais en vérité, tu verras que quand il n'y a pas grand chose, tu peux toujours te démerder avec ce qu'il y a. Je vais te montrer directement sur mon ordinateur donc plusieurs clips, comme ça tu vas pouvoir voir et je vais pouvoir les détailler avec toi. Et donc on va voir ça sur certains clips que j'ai tournés sur l'ordi juste derrière. J'en ai sélectionné quelques-uns et donc je vais te montrer ça directement. Donc tu vas voir. Alors en fait, du coup il y a celui-là que j'ai tourné il n'y a pas très longtemps, donc DJ Sum.
Et donc, en gros, alors là, c'est vers la fin. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment la partie où... alors, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On devait être 7 à peu près. Et donc, en fait, tu vois que là, dans le plan large, alors là, directement du côté, donc là à droite, là, il y a un petit vide. Justement, quand tu fais un plan large et donc du plan serré, voilà, comme là, on a l'impression qu'il y a plus de monde. Alors qu'en fait, on était à peu près 7, 7, 8. Donc là, voilà, sur le plan serré. Ok, voilà, donc ici, tac. Et donc là, sur le plan serré, qui va être juste après, voilà. Le fait d'avoir sélectionné, voilà, tu vois, par exemple, sur 2-3 plans comme ça, plans serrés, qui s'enchaînent, on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de gens. Et donc voilà, donc c'est vraiment une histoire de 50 minutes comme je te parlais, puisque là, ici, tu vois, donc on est sur 2 personnes, et là, ici aussi, pareil. Donc voilà, donc tu vois, ça, c'est pour simuler une soirée. Donc si par exemple, vous êtes 5-6, si vous êtes 5-6, en gros, tu pourras faire en sorte que ça fasse comme si on était plusieurs. Donc là, pareil, où il y a donc 3 meufs. Alors là, voilà, donc tu vois, regarde, le fait d'avoir filmé en plan serré une meuf au premier plan, donc juste là, ici et là, et ensuite un autre plan derrière, pareil, donc c'est la même meuf, tu vois, tac, tac. Donc déjà, plus 3 meufs directement, là, on peut croire que si on va vite, il y a plein de meufs, tu vois. Si tu t'en mets, voilà, tu vois. Si tu vois dans cette version-là, voilà, clac, 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 on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, alors qu'en fait, c'est souvent les trois meufs qui reviennent. Donc là, pareil, donc là, c'est filmé donc, en longue focale dans les hauteurs de Cannes, donc c'est pour ça qu'on voit bien derrière, en arrière-plan, directement la ville. Donc là, pareil, les trois meufs, voilà, tu vois, là, on aperçoit que le dos, donc 50 mm. Ok. Donc là, c'est pareil aussi, ça, des fois, tu peux très bien faire voilà, ce qui est devant avec un plan super flou. Tu vois, tac. Et donc là, pareil aussi. Et donc là, tu vas jouer toujours sur les 3. Donc là, tu vois, ça fait 4 personnes. Donc si tu refais, en fait, sur un plan comme ça, donc tu as 4 personnes. Et là, si tu refais le même style de plan avec des vêtements différents, filmés, plus serrés, on peut croire qu'il y en a 6 ou 7. Et tu peux les dupliquer comme ça, quoi. Donc je te remets un petit peu pour que tu puisses voir. Donc pour info, ce clip-là, il était filmé au GH4. Donc GH4, il y avait une super lumière là, ce jour-là. Voilà, tac. Ensuite, on va voir donc ce clip-là que j'ai tourné il y a pas longtemps aussi en Ile-de-France. Alors là, on est sur du large. Donc pareil. Alors voilà. Donc là, il y avait 4 meufs en tout. Et là, c'est pareil. Donc filmé encore un petit peu en serré. Alors surtout, voilà. Donc là, on n'est pas beaucoup en fait dans la maison. Alors voilà, c'est ça, c'est les plans qui sont intéressants ici. Tac. Voilà, donc ça, c'est les mêmes meufs habillées différemment. Donc du coup, on peut croire qu'il y a du monde, tu vois. Donc là, pareil. Tac. Tac. Voilà, tu vois. Sur 2-3 plans, on peut se dire qu'il y a du monde alors que c'est les mêmes personnes. Là, pareil ici aussi. Et donc là, voilà. Donc ça, c'est le fait. Regarde, tu vois, ici. Le fait d'être plus serré ici, donc avec le dos d'une, et de venir là. Donc ça fait un effet de masse en fait, ici pareil, là, ok. Et donc en fait le fait de monter rapidement, de monter beaucoup plus rapidement, ça te permet de, surtout quand les meufs elles sont habillées différemment, et que tu en dupliques comme ça sur certains plans, si tu as plusieurs plans où elles sont habillées différemment et que tu les filmes toujours serrées, tu as l'impression que c'est plusieurs meufs différentes. Donc là, donc tu vois, c'est vraiment, là j'ai repris donc une qui est habillée différemment, pour un plan tout seul. Là, pareil, regarde, tac, tac, voilà. Tu vois, voilà. Donc là, on en a vu. En fait, si tu prends juste les plans sans regarder, il y en a, regarde. Donc là, tac, il y en a 4, 4, 5, 6, donc 7. On peut croire que c'est 7, mais alors qu'en fait, c'est les 4, c'est toujours les 4, et une des 4 qui est filmée différemment toute seule. Tu vois, là, elle est encore habillée d'une autre manière. Donc comme ça passe vite, on n'a pas trop le temps de tout voir. Donc tu vois. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour faire un effet de groupe. Ensuite, j'ai repris un ancien clip de Sadek. Alors là, ça va être plutôt sur les mecs. Donc, alors là, il y avait un petit peu de monde quand même dans ce clip-là. Donc le clip de Sadek. Mais si tu regardes bien, donc là ça fait vraiment un effet de groupe. On devait être à peu près... Alors là, sur ce plan-là, il devait être 15. Ce clip-là, on était à peu près... On devait être entre 30 et 40 personnes, même un peu plus.
Mais c'est pour te montrer, en fait, ici, donc là, pareil, là, il y avait trois meufs. Là, il y avait trois meufs. Bon, c'est filmé au 5D, c'était il y a longtemps, ça, quand même. Voilà, donc là, regarde. Tac, pour que tu puisses voir. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On doit avoir à peu près une vingtaine de personnes. Mais comme je l'ai filmé au 17 mm, donc comme je te disais, donc là et là, tu vois, donc on peut croire qu'il y a du groupe alors qu'en fait, c'est les mêmes personnes. Donc là, le fait de filmer en plan serré, encore une fois, donc sur 17 mm, voilà, donc là, tu vois, tu peux t'en apercevoir bien, ici. Donc par exemple, imaginons que tu as un groupe de personnes là, à peu près, où ils sont entre 10 et 15. Et bien en fait, tu peux faire un clip où tu peux être que avec cette masse-là de personnes. Donc là, ça va être le fait de filmer en plan serré qui va faire que voilà que ça va faire comme s'il y avait énormément de monde. Alors là, je t'avoue vraiment que dans le clip, il y avait quand même du monde. Mais voilà, donc si tu joues sur ça, donc là c'est pareil, tu vas voir. Là voilà, tu vois, en plan serré, ici aussi. Voilà, donc là, tu vois, alors là, ouais, il y avait quand même du monde puisque c'était, donc comme je t'expliquais, tu peux te mettre donc en 50 mm ou en 17 mm, mais en plan large. Et donc là, tu les mets tous au fond, par exemple. Et donc là, ça fait vraiment un effet de groupe. Et là, donc, comme je te disais, si tu as entre 10 et 20 personnes, tu peux t'amuser à tourner que entre 10 et 20 personnes avec des plans beaucoup plus serrés. Et donc, tu auras l'impression que presque il y aura 50 ou entre 50 et 70 personnes, 80 personnes, quoi. Donc voilà. Tac. Et en fait, tu peux rejouer toujours sur ce même style de plan-là. Ensuite, on a ce plan-là, donc de Seth Gecko avec SwiftGad. Et donc là, alors là, c'est pour te montrer une toute petite partie, par exemple. Donc là, ici, je vais te montrer. Tu as donc, alors là, tu as un plan serré, donc 25G, un plan serré. Et là, des plans serrés. Donc un gros plan et un autre, d'accord? Donc là pareil, alors qu'en fait ils sont quatre, mais comme je refilme toujours les mêmes personnes en plan serré, on a l'impression qu'ils sont plusieurs. D'ailleurs voilà, donc là tu les vois en plan large, c'était que eux, mais comment je les ai filmés, donc en plan serré, on a l'impression, tu vois, qu'il y a plusieurs personnes ici. Donc je te parle vraiment que pour les inserts qui sont ici, hein, évidemment, pas les playbacks puisqu'ils sont deux. Et là donc pareil. Donc si tu regardes bien, j'ai beaucoup filmé en 50 mm. D'ailleurs, ici c'est pareil, le plan large il est en 50 mm. Voilà, donc avec les caravanes derrière. Après, dans les playbacks, évidemment, il fallait qu'il soit toujours que deux. Mais dans les inserts, comme ils étaient que quatre, les potes, du coup, je les ai filmés en plan serré. Donc voilà, bon ça c'est différent parce que c'est un petit clip où tu vas avoir un délire ou autre. Mais en gros, c'est à un moment donné, si tu as 3 ou 4 personnes, tu peux toujours simuler, hein, une petite chose avec une table, avec quelque chose. Tu peux faire des inserts, tu peux toujours t'amuser à faire quelques petits trucs avec 3 ou 4 personnes. Donc c'est pour te montrer un petit peu certains clips. Alors j'en ai plein d'autres. Pense-y vraiment à filmer en plan serré. Ah, donc tu verras que ça ne sera pas un handicap des fois de ne pas avoir beaucoup de monde. Donc en gros, essaye vraiment de t'entraîner un petit peu. Donc avec un 50 mm si tu en as un, ou une focale un peu plus serrée. Et donc essaye de t'entraîner avec 3 ou 4 personnes. Si tu as un clip donc où il y a ce nombre de personnes-là, bon bah tu pourras le faire sur le tournage. Si tu n'as pas de tournage avec ce nombre de personnes, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le faire avec des potes à toi. Par exemple, un jour où tu sors avec des potes à toi, avec 3-4 potes, essaie de faire en sorte de les placer pour tester et donc de filmer avec eux. Et tu vas voir et t'essaies de te dire de comment tu vas faire avec le peu de gens que j'ai pour faire croire qu'il y a beaucoup de monde. Donc essaie de t'entraîner avec eux, par exemple dans un parc ou autre. Donc quand tu vas traîner avec tes potes, essaye d'être au moins 3 ou 4. Et donc du coup, tu vas essayer de filmer d'une certaine manière qui fait en sorte qu'après, quand tu vas monter avec plein de plans comme ça, très serrés, tu auras l'impression qu'il y a du monde. Et donc, si tu mélanges ça avec un plan large où il y a vraiment du monde, donc par exemple à l'extérieur, si tu prends un plan par exemple en ville où il y a du monde, plus après tes potes que tu as filmé d'une certaine manière et que tu les rajoutes dans ton montage, tu auras l'impression que tu as grave de monde alors qu'en fait, il n'y avait pas grand monde. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte et c'est ce qui va t'arriver très souvent sur les clips, puisque en général, quand les artistes, ils appellent des potes à eux ou autres, toujours tu t'attends qu'il y ait beaucoup de monde et au final en fait des fois ben voilà tu as 3 ou 4 personnes. Donc ça c'est une chose. Après tu peux avoir le sens inverse aussi, moi ça m'est arrivé, des fois des personnes qui vont dire qu'ils appellent quelques potes et puis en fait ils sont au moins 50 ou ils sont au moins 100. Donc ça aussi c'est tu peux avoir l'effet inverse et là des fois ça peut être aussi plus compliqué de filmer tout le monde. Mais bon, c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup plus facile de filmer tout le monde que quand tu as très peu de monde. Donc ça c'est un exercice vraiment qui est vraiment pas mal. Mets-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé ce genre de choses-là. Comme ça, je te répondrai directement. Donc, c'était la vidéo pour t'expliquer un petit peu ça. Tu peux toujours t'abonner à la chaîne
si tu veux suivre les prochaines vidéos. Et donc, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.